Ok. Salut tout le monde, on est parti pour une game. En l'occurrence, Diamant avec Nocturne, Jungle, on est contre Ashako. Et c'est parti. Ok, bon bref. Alors, on va cleaner le heal, on va cleaner le red buff tranquillou. On va smite assez rapidement. On va faire gaffe au niveau du bleu parce que le Ashako va peut-être vouloir nous invade justement. Et nous dire un peu bonjour. Oula, d'accord, on a un fight super rapide là en bot lane. Oh non, putain, sa mère. Bon, la game qui commence ultra ultra mal. En plus, il a pas flashé donc je peux pas le tuer. Oh là 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 là. Oh putain, on a pas eu de bol quoi, sérieux. C'est vraiment la crise. The Altab Destroyer of Lane, am I right? D'accord, bon, il a Altab. Bon, là, clairement, je peux dire au revoir ma blue buff. Hein. Il m'a nécessairement invade. Il m'a très certainement invade là-dessus. Hein. Ça va être attention. Alors, si on peut muter le chat, parce qu'au final, les gens, à part se plaindre, ils font pas grand-chose. Donc, muter le chat, s'il vous plaît. Ça sert à rien, là. Merci. Thanks. Merci, Soleil Jaune. Alors comme je dis, il y a un délai qui s'est créé malheureusement, donc j'ai désactivé tout ça. Il y a eu un petit bug de stream, excusez-nous, mais c'est une bêta. Pas la peine de s'énerver, restez calme, parce que plus vous énerverez et plus ce sera pire. Donc ma botlane baron qui s'est fait first blood, c'est un petit peu dommage. Oh, ok. Donc en fait apparemment mon collègue qui a Altab, et du coup quand il est revenu, bien il était mort. Donc là je me suis fait piquer ma bleue comme prévu, je me suis fait piquer les wolves également. C'est la crise, j'ai dû aider la botlane parce que sinon c'était le 2-0. Là au moins on a fait du 2 pour 1, c'est mieux que rien. On va tenter un décalage mais c'était très certainement wardé. Donc c'est un petit peu le desperate gank parce que là, la game qui est déjà extrêmement compliquée. On va push. Et donc parfait, ça passe. Et en plus il ne meurt pas donc c'est vraiment parfait. C'était ultra ultra chaud hein. Clairement je vais pas vous le cacher. Mon baron ma botlane qui est ultra 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 au fond. Mais je peux pas vraiment l'aider parce que enfin justement je l'ai déjà aidé mais ils se sont refait tuer. Donc c'est vraiment compliqué là pour le coup. Merci beaucoup Kwev, hein. Merci au modérateur. Hop là. On va clean tout ça, on va aller faire la grosse vraie. On va la récupérer un peu de stuff. On partira évidemment sur une vraie gueule. Logiquement, hein, avec un Nocturne. Mid no flash. C'est Karma, mais moi personnellement, je suis pas vraiment fan de Karma, loin de là. Enfin, du moins, pas. J'aime bien Karma support, mais j'aime pas trop Karma mid, honnêtement. Je trouve que c'est plutôt un hero laning phase. Là faut que tu fasses gaffe à Shaco parce qu'au final Shaco pour l'instant m'a juste counter jungle mais je me suis pas retrouvé dans la merde donc là on est plutôt content. Le problème c'est que là il va aller ganker les lanes et là il faut surtout pas se montrer greedy puisque les premiers kills de Shaco vont lui permettre de pouvoir snowball mass. Bon, j'ai réussi à me mettre pas mal malgré tout donc c'est plutôt pas mal mais est-ce que la botlane s'en sort? 12 CS à 14 donc ça va. Ok. On a la vraie gueule, parfait, bien joué en tout cas de la part du well played Jax. Donc Jax il a bien joué là-dessus. Nickel, on a déjà 5 stacks, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parfait, alors. Donc est-ce qu'on va cleaner les doubles golems, on va pouvoir également cleaner les braises derrière. Ah merde, Shaco putain. Shaco qui est dans la tourmente, enfin Shaco top lane. Jax qui est dans la tourmente, mais je peux pas trop l'aider là. Il va falloir qu'il joue bien là. Pas du tout y être. Bien joué. Après c'était pas évident non plus pour eux. C'était pas si facile non plus pour eux de pouvoir kill là-dessus. Décalage de karma au top. C'est plutôt pas mal. En plus elle n'a plus son flash. Ok, est-ce qu'il chope le kill ou pas? A priori non. Je suis niveau 5, d'ailleurs bientôt niveau 6. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle même. On va clean la jungle. On va clean le mid du coup. On va back up au mid. On passera niveau 6. Parfait.
Ok, super, on récupère un kill là-dessus. La bot lane qui peut peut-être être aidée. Ouais, non, ouais, clairement c'est chaud. Il a back. Donc, non, je vais pas pouvoir l'aider maintenant. Bon, bien joué en tout cas, c'est cool. On se met bien encore. Après, faut gaffe, faut. Bon, c'est mis bien, mais on a 3-0, mais on a quand même 3-3 dans la game. Donc, ça veut dire que la game ne se passe pas si bien, malheureusement, partout. Donc, on va faire gaffe. On va devoir continuer à jouer à fond là. C'est loin d'être gagné. On va cleaner le. La grosse vraie, si on va back. Karma qui décale, mais là, clairement, c'est un petit peu flag, je pense. Ça peut pas vraiment passer, à mon avis. On va voir. Oh, dommage, le Q-spell qui aurait peut-être pu toucher là. Ça ne touchera pas. Ah, si ça passe, je me suis trompé. Après, ça m'étonnera un petit peu, mais. Ah non, c'est pas passé. Après, bon, il y avait quand même peu de chances que ça touche, que ça passe. J'y croyais quand même assez moyennement. Merde, putain, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, on prend ma sword pour contrôler un peu Shaco pour les collègues, pour pas qu'ils se fassent avoir, pour savoir dans quelle partie de la map ils se trouvent. Ah, attendez. Ah non, putain. Aïe. La Karma, par contre, ça c'est vraiment bien, parce que là, la Léona peut pas se barrer. Ça c'est vraiment bien. Ça c'est très très bien qu'ils aient aggro là-dessus. Donc, bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Mes collègues en plus qui font des kills. Oula, par contre. Oulala. Oulalala. Oh putain, le heal. Oulalala. Putain, c'est le bourbier. Hein. Oh là 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 là. Putain, c'est vraiment un gros bourbier là. Ok, super. Bon, j'ai récupéré un kill. On est arrivé à temps. Malheureusement, j'ai pas pu sauver la Karma. C'était pas évident là, j'avais pas forcément le temps. On va push puisque le Lucian va devoir. Enfin, Lucian est mort d'ailleurs. Et le mec en face aussi. Donc les creeps vont s'égrader sous la tour. Au mid par contre il va probablement prendre la tour. On pourra pas forcément l'en empêcher là. Et double golem qui... J'ai peut-être pas fini le petit golem. Je me suis peut-être counter jungle moi-même du coup là. Ouais. Merde. Ok, on a clean ça. On a combien de stacks? On a 10 stacks. C'est pas fou hein, la game qui est extrêmement agressive. Du coup on récupère assez peu de stacks. Bon, après c'est un peu la game là qui veut ça. Parce qu'il y a beaucoup d'actions du coup. C'est un peu le bordel. On stack. Ah dommage, si ça avait touché. Ok, j'ai wallé son ulti. Putain, j'ai pas assez de mana. Ah merde, putain, fais chier. Ah, je suis déçu là par contre. Bon, bien joué Karma, mais bon, je suis un peu déçu là. Bien joué Jack, si jamais il s'en sort, c'est vraiment nickel. Wow, il s'en sort tout juste, mais il s'en sort. Ah, je suis déçu là par contre. Bon, j'avais pas trop mal joué sur le shield pour shielder l'ulti d'Orina, c'était plutôt bien joué. Malheureusement, il me manquait de la mana et du coup, je n'ai pas pu ulti sur l'Orina. J'avais posé ma ward justement à travers le mur pour pouvoir l'ulti, mais pas de bol, plus de mana, donc j'étais tout nu. Dommage, bon, c'était pas mal. On est reparti. Trash, quand même un petit peu déçu. Hein. Oula, attention, on est sous tour. Il y a son ulti qui vient de revenir. Oh, c'est le bordel. Hein. Oh, tant pis, on prend la bleue. Ça va pas changer grand chose. C'est une Karma, c'est pas non plus totalement ouf. D'autant plus que. Non, il a récupéré un red. C'était pas une bleue. On n'a pas réussi à la tuer. Oula. Ah, c'est ballos. Hein. Ah. Dommage. Il est mort, on va pas poser la ping maintenant du coup parce que sinon ils vont la déwarder. Ah oh, putain, il meurt peut-être avec la red. Ah j'ai pas la red, putain j'ai la bleue. Putain sa mère, putain il a 2 HP. Ah, j'aurais pu faire mieux, putain. J'aurais pu l'avoir. Si j'avais mieux joué, j'aurais pu faire le double kill là. Bon, c'était pas trop mal, mais. Dommage. J'ai pas réussi à les tuer tous les deux. On va prendre les Mercury. J'aurais dû ulti plus tôt. Je pensais que je pouvais mettre une dernière auto avant d'ulti. Malheureusement, j'étais pas à portée. C'est pas passé loin du double kill là, honnêtement, mais bon, j'ai pas réussi. Dommage. Mm-mm-mm-mm.
Ouais, NP, NP, ça me dérange pas, mec. Je m'en carre. Ok. Ah, ils font sûrement le dragon, on est d'accord. Quoique, hein, ils étaient. Ah, ils le font quand même. Ah, on peut pas du tout y aller, hein. Ça vaut pas le coup, je pense. Attention, les copains. Ok, donc là, je tente des plays, mais j'ai pas. Putain, franchement, j'ai pas eu de bol, quoi. Oh, oh, fallait back, mec. Putain, en plus, clairement, là. C'est vraiment du gâchis, là, par contre, hein. Oh. Bon, là, c'est clairement un gros throw. Parce que ça va coûter la bot lane et tout pour rien du tout. Parce que là, ils sont vraiment morts pour rien du tout. Là, il n'y avait aucun intérêt. C'est vraiment dommage. Il cache à quoi nécessairement. Ok, on a réussi à le tuer avant qu'il puisse le récupérer. On va essayer de le clean. Bon, on va récupérer les 25 gold. Ok. Double kill pour la Karma. Et en plus elle récupère la double buff. Donc c'est bah on l'a mis bien, quoi. J'espère que ça suffira. Rien ici. Je peux pas la tuer, j'ai pas l'ulti de toute façon. Et même si je l'avais là, ce serait pas si facile. On va aller warder. Oh là là, la bot lane, mec. Clairement la bot lane qui me fait méga stresser, hein. Oh là là là, putain. C'est pas cool, hein. Ah, faut vraiment qu'ils back, hein. Clairement ils vont juste mourir pour rien là. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Putain, clairement ils me mettent vraiment pas bien, quoi. Je peux pas y aller, je vais juste pour rien. Bon, là, par contre, je l'ai bien niqué là pour le coup. Nickel. Un petit qui m'a permis de punir un petit peu le dashin là de Shaco. Ça c'est pas mal. C'est déjà ça. Là faut reculer, mec, hein, Lucian. Bien rester pour toi, mais clairement barre-toi, mec. On va poser la ward. Là, je suis trop HP, on va se guérir sur les creeps d'abord. Karma, tu les as vus, hein. Oh là 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 là, mais merde, quoi, please. Putain, les gars, no. C'est vraiment dommage, on les a vus en plus. Bon, bref, tant pis. C'est vraiment dommage, on les a vus, Karma qui a fait check comme ça contre 3 mecs et du coup elle s'est fait tuer. C'est un petit peu dommage, je pouvais pas du tout l'aider, là j'étais trop HP. Bon, ça re-throw pas mal. On est pas bien. Ah bah ouais, mec. J'aurais bien voulu, crois-moi, mais c'était pas évident. On a bien fini en plus pas mal d'argent, je pense, parce qu'avec le double kill tout à l'heure, du coup elle était en bounty. Ok, bon, très bien. On va aller cligner les golems. Enfin, le buff bleu. On va le récupérer, je pense que ce sera plus sur moi au final. Il va le récupérer. J'espère qu'il en fera bon usage. Parce que là, clairement, il a un peu gâché le double buff, quoi. Parce qu'il a filé non seulement le reset, donc le bounty, mais en plus le double buff. Oh, allez, les carrières en face. C'est vraiment dommage, quoi. Clairement, si j'avais su... Si j'avais su, j'aurais tout donné pour le récupérer. On va back. On va acheter tout ça. Une minute avant l'ulti, c'est un petit peu long, évidemment. Au début, c'est toujours un peu super long là. Là, par contre, laisse-moi quand même un peu de jungle. Juste pour les stacks. Parce que c'est chiant à récupérer les stacks là, clairement. On me fait mes golems, on me fait mes Everest. Et du coup, bah, je peux pas prendre de stacks, hein. C'est un peu le bordel. Ouais, le farm je m'en fous, mais juste les stacks de vraie gueule, quoi. Là, je vais aller sur la botlane parce qu'ils vont sûrement mourir sinon.
Là faut que Karma y aille aussi. La tour qui est morte. Ok, il est très low HP. Lui au moins il est mort. J'ai essayé de se choper le doublé. Bon, bon, c'est Karma qui récupère le double kill et les double buffs. J'espère qu'elle en fera bon usage. Donc j'espère qu'il en fera bon usage, ouais, parce que clairement, faut vraiment pas faire n'importe quoi quand vous prenez les kills, parce que du coup, bah, les dégâts sont sur vous. On va aller faire les wolves. Donc là, peut-être que j'aurais dû récupérer le kill. Ouais, je me suis un peu tâté, j'avoue. J'aurais peut-être dû le faire. J'ai flashé pour choper Shaco, malheureusement. Il avait encore récupéré son A. Il était relativement low HP. On est repassé. On est à nouveau bien dans la game. On n'est pas méga bien, mais on n'est pas non plus super mal. Ah putain, il fait. Vraiment, clairement, c'est chaud pour farmer un seul. Ah, dragon. Non, on l'avait pas timé. Ah si, on l'avait timé. Mais pas moi en tout cas. Merde, mon chili qui était mal passé là. Engageons le fast. Méga fast. Aide-moi Karma s'il te plaît. Ok. Ça c'est bien joué. Et là maintenant faut se barrer hein, par contre. Kayle s'il te plaît. Clairement mec reste pas, ça sert à rien. On a le dragon, c'est bon. On a eu ce qu'on voulait. On s'en va du coup hein, forcément. Faut éviter de rester alors qu'on a déjà eu ce qu'on voulait. On va aller poser la ward. Ah et du coup bah ils sont fait engager. C'est ballot. Et double buff. Parfait. J'ai eu le bon. Donc là j'ai tout mis. Peut-être que j'aurais pas dû ulti, mais bon, j'avais peur qu'il crève. Là c'est une bonne nouvelle. Le Shaco qui est bon, bien dans sa game du coup, ça c'est cool. Bon, j'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi, ils sont 2 contre 3 donc normalement ça devrait bien se passer. Au top, bon Jax en tout cas qui s'en sort très très bien. Bon Jax il a l'air très très bon donc ça c'est une bonne nouvelle. Et en plus je préfère personnellement Jax à Lissandra. Attention, attention, tu l'as vu? Ah il l'a pas vu. Donc là il est pas très très bien. Il peut peut-être mourir là. On va pusher mid du coup pour essayer. Ah dommage, il l'avait pas vu. Ça arrive, c'est pas grave. C'est un kill mais bon. Allez, 2v3 les gars, vous avez un ulti, vous avez tout encore. Hein. Nice, bien joué ça. C'est bon ça. Encouragez l'équipe. On a vu, on est gars Shaco. Shaco est là, hein, Shaco est là. Voilà, bac on. Ça sert à rien je pense. C'est trop dangereux pour ce qu'on peut choper là-dessus. Oh merde, putain. Shaco qui m'a niqué là. My bad. Recule mec, t'as l'aéro de la tour. Bien joué. Well played. My bad, par contre, Shaco m'a tué. J'aurais pu faire mieux là, j'aurais pu lui BRK et lui faire les dégâts. Bon, ça va, ils ont récupéré le kill donc on va dire qu'on s'en sort bien. Parce que s'ils avaient pas pu le tuer parce que j'avais pas BRK, ça aurait été un peu dommage. Après là, il m'a tué quand même assez rapidement. Il fait quand même pas mal de dégâts. Je n'ai pas encore, malheureusement, moi, ma vraie gueule. Il me manque 2 stacks. C'était un peu le bordel. Mais ça va, je suis très très bien dans la game. Je suis niveau 13, je suis plus au level de la game, donc ça c'est une bonne nouvelle. On va tout clean là. Alors je vais leur dire quand même, let me some jungle. Donc là c'était un petit peu tard, mais donc là je vais dire à Karma d'aller récupérer la bleue solo. Elle peut le faire tranquillou. Nickel. Bon, on est bien. On devrait pouvoir gagner cette game honnêtement. Faut War Nash now. Donc là je dis de warder Nashor parce que il a Shaco et Shaco, le clone de Shaco qui proc également la vraie gueule donc il va pouvoir le faire solo. Donc ça peut être assez relou. Donc il faudrait le warder pour être sûr qu'il ne le fasse pas. Je pars sur une trinité pour avoir vraiment beaucoup de dégâts. D'ailleurs je partirai sur masse défense. Là mon but ça va vraiment être d'être aussi puissant que Jax comme ça. Une stack tranquille. D'être aussi puissant que Jax comme ça, ils pourront pas tuer moi et Jax. Ils vont devoir choisir et celui qui tue pas bah, il pourra tuer les autres. Enfin, ils auront du mal à tuer tous les deux très rapidement. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Je vais warder, y'a pas de problème. On va warder ici derrière le mur, comme ça s'il y a une pink devant, bah, la pink ne le verra pas. Et là faut se recouper, attendez. Ouais. Ok, on a les dégâts, on a pas mal de stuff. Et là il faut la présence de Jax parce que là si malheureusement j'y vais solo, je vais prendre cher. Kayle. Donc là il peut multi la Kayle, je lui prie rien parce que j'ai vraiment énormément de dégâts. Je suis probablement celui qui fait le plus de dégâts pour l'instant dans la game, plus que Jax. Parce que j'ai la vraie gueule, j'ai vraiment tout. J'ai vraiment tous les dégâts du monde. Hein. J'ai pas encore la trinité mais je l'ai bientôt. Ok, au top il va se faire tuer. Mais ça va, c'est pas trop grave. Qui plus à 6, donc c'est un peu plus rentable pour eux, évidemment. Et ça reste très correct. C'est mieux ça qu'une mort tout court. Après là, ouais, attention, on va pas se faire trop engager mal là. Oula, Kayle qui est très très mal positionné là. Ah merde, putain, c'était vraiment pas cool ça. C'est un peu dommage. Ok, j'essaie de m'en sortir. Super, ils sont pas morts. Putain, on s'en sort bien. Au final, 1 pour 0 sur ce move. Suite à 1-0 hein, sur le kill de Karma. On va push. On va checker. Et il a pas la bleue sur lui, donc la bleue est peut-être ici. La bleue n'est pas là. Ok, on tue le petit. On l'empêche de récupérer les stacks de vraie gueule. On va se barrer. Et on a Trinité. Nice ulti Kayle. Donc, la Kayle qui a bien très bonne ulti. En tout cas, c'était cool. On va back. On va récupérer des wards à nouveau. Bon. Shaco il a 22 stacks, j'ai beaucoup plus de stacks que lui, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc là j'ai beaucoup plus de dégâts que Shaco, donc ça c'est la bonne nouvelle. La moins bonne c'est que Karma a beaucoup de kills, donc faut pas qu'elle se fasse de la merde. Voilà, Karma elle est low HP du coup là, et elle va recrever. Ah, c'est ballot ça. Gaffe, hein, gaffe, tu l'as vu. Hein, ouais. Là, il est clairement au niveau du dragon. Le Shaco est à côté, on l'a vu tout à l'heure. Le lien qui continue, même après le split, donc on sait que c'est le bon. C'est bien ça. Le TP du Jax est très bien fait. J'ai pas réussi à le tuer, j'ai pas réussi à le choper, j'avais pas l'ulti malheureusement. Là, si j'avais eu l'ulti pour follow le Jax, ça aurait été. On aurait été fou quoi, on aurait été méga bien. Je vais tanker, je prends pas de dégâts. 850. C'est bon. Et là il faudrait être engagé au mid. Il y a la bleue chez eux, on va la récupérer. Nickel. Ah merde, la bleue est faite, autant pour moi. Je croyais qu'elle venait pop. My bad. On va essayer d'empêcher de lui récupérer. L'empêcher de récupérer les stacks là. Ça c'est très dangereux quand même. Oh là, ouais, faut courir. Hein. Ah, je vais mourir. J'ai mal joué là. Ah, my bad, putain. J'ai merdé là. Donc là, j'ai mal joué. Ah, attendez là. Oula, y'a Shaco et tout. Hein. Oula. Ah là là, mec. Shaco va le tuer là. Ah. Ça, c'est pas fou non plus. Hein. Bon, heureusement, y'a Jax. J'étais pas porté de mettre la BRK. J'ai essayé de me retourner pour l'activer. J'ai pas pu. C'est le clone, mec. Hein. Ah non. Ok, c'est pas le clou du tout. Putain, ok, il le défonce quoi. Clairement, il a trop de dégâts. On va partir sur un Randuin. Well played, Jax. Mon Jax est très bon, hein, comme j'avais dit. Ça se voyait. J'ai mal joué là, par contre, pour le coup. C'était vraiment con là. J'aurais surtout pas dû continuer sur elle. Donc, my bad. Ok, il prend la red buff. C'est pas grave, vas-y, prends là, je m'en bats les couilles. Mais, donc, ouais, dommage. J'ai mal joué sur le move là. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Après, bon, ça va.
le reste de la game. Je m'en sors pas trop mal. Donc c'est plutôt cool. On va compléter. On va clean l'Everest. Il a probablement clean ma raid. Je vais vérifier quand même. Au moins clean les petits pour pas l'empêcher. Ah non, il l'a pas fait. D'accord, ok. Bon, il a eu peur. Il aurait largement pu, honnêtement. On n'aurait pas pu l'empêcher. Il aurait même régène dessus et tout. Donc là, faut fight maintenant, hein. Donc il a bientôt la vraie gueule là, il doit être à 25-28 stacks. J'ai pas regardé mais on est pas loin du tout, je pense qu'il l'a pas encore. Et donc là si on les tue maintenant, si on engage maintenant c'est parfait. Là je finis un dernier creep et let's go. Ah merde, 25, il en a 25. Ulti toi bro, ah merde il a pas eu le temps de ulti. J'étais de face. J'aurais pu mieux jouer là. Oh putain, l'enfoiré. Moi, bon, je serais pas mort, mais. J'aurais pu ulti la shockwave et tuer Shaco là. J'aurais pu faire mieux. Après, bon, ça va. 1 pour 0. Et en plus, Shaco était très low HP. Enfin, 1 pour 1. Mais après, la Kay était relativement dans la merde. Elle avait son ulti, d'accord. Donc, elle aurait peut-être plus ulti. Ok, nickel. On va se regrouper au mid. On va clean les Wolves pour pouvoir se régénérer un petit peu. Ils vont probablement pouvoir prendre cette tour là. Ah merde. On va les aider là. On n'est pas très OHP par contre. On a quand même perdu beaucoup de PV. Attention à l'engage. Faut courir la mec. Hein. Au pire, au mieux on chope un kill sur Lissandra mais on s'en carre. De toute façon elle vaut pas d'or. Et au pire on crève quoi. Donc report Shaco. Shaco AFK. Possible. Peut-être qu'il a ragé du coup. Après là honnêtement je pense qu'ils ont perdu. Bon là c'est trop tard. On va faire le Nashor, peut-être que c'est un fail d'ailleurs, on verra bien. 900 dégâts, on va smite. Ok, je l'ai eu. Let's go. Ah tu vois, il y a un viewer qui m'a dit, tu joues contre le Shaco, il a 8000 games avec Shaco en saison 3, tu peux pas gagner. Ah, on peut quand même. Parce que là honnêtement, je pense qu'ils peuvent plus gagner honnêtement. On a trop d'avance. Et GG, well played. Parce que là, on est quasiment 10 gueules d'avance. C'est cool. Enfin, même plus probablement. Et donc, ça s'est bien passé. C'était pas évident. Clairement, le début, c'était assez. Enfin, c'était assez horrible parce que. Ils étaient tous les deux là. Et en fait, bah, le Lucen, malheureusement, était pas sur le jeu. Et donc, du coup, il est mort en étant FK. Et d'ailleurs, c'était un peu le bordel. J'ai flashé pour essayer de tuer le Varus. J'ai pu le tuer. Malheureusement, il a eu le temps de finir la Kayle. Bon allez on va voir les dégâts à chef. Ah, j'ai beaucoup trop de damage là clairement. Ici well played. Donc que ce soit clair par contre, enfin clairement on n'a pas gagné parce qu'il a FK, il a FK parce qu'on avait gagné. Je pense que c'est plutôt le contraire. Et bah belle game en tout cas de leur part. Ils ont dû un peu s'embrouiller. GG. Report Barclay, Barber, Sinai Abuse, Report. Ah ok, bref, les mecs sont énervés. Eh bien, GG Wellplay. Bon, c'était sympa, c'était une belle game. J'ai essayé de faire des trucs. J'ai fait 2-3 erreurs. J'ai fait une erreur sur la mana qui me manquait sur l'ulti d'Organa. Quand j'avais Shockwave, quand j'avais Shield, le Shockwave. J'ai raté plusieurs Shields. J'ai fait de la merde quand je me suis tourné sur Organa. Sinon j'ai pas trop mal joué. Après ce qui s'est bien passé, c'est que mon Jax était très bon. Bon, si mon Jax avait pué la merde, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et là du coup bah on était premier en gold et tout, on était vraiment bien dans la game et ça s'est pas mal passé. Et donc tant mieux. Une belle game, le Shaco a bien joué quand même. Malheureusement il a pas pu gagner. C'était pas évident. Il faut jouer assez safe quand même contre un Shaco parce que c'est un perso qui kill très très vite. Après s'il a pas de kill, c'est pas forcément facile. Il avait pas sa vraie gueule encore à 30 minutes de jeu. On a essayé de le faire chier et plus la game est agressive, moins on a le temps de la stacker. Donc c'était plutôt cool. Et bien l'historique de Shaco, on me dit. Ok, je vais regarder si tu veux. Je pense qu'il doit avoir que des Shaco à mon avis. Parce que le mec il s'appelle. Ah mais Shaco dans son pseudo donc. D'accord, ok, bon, le mec descend aux enfers quoi. Le mec descend aux enfers total. Il est bien déçu quoi. Bon après ça veut dire quand même qu'il était assez haut elo puisqu'il a fait que perdre malheureusement récemment. Et donc là je pense qu'il est particulièrement mad. Ok, en tout cas n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne YouTube les amis, il suffira de cliquer sur Miss Fortune donc pour rejoindre la chaîne Jiraiya Skyheart.
Il suffit de cliquer justement sur la gestion et sur la mise fortune. Donc c'est vous tapez JRS Card, vous pourrez rejoindre et abonnez-vous évidemment. Ma deuxième chaîne YouTube aussi pour un maximum de best-of. Plusieurs best-of aussi hein, sur différents jeux et aussi plein de vidéos hein, sur League of Legends et sur d'autres jeux. Vous avez également la vidéo sur Darius Top si ça vous intéresse de jouer Darius, comment bien gérer en top lane sans forcément être très très fort, ça peut être une bonne solution. Comment jouer Dianamid, c'est sympa. Alors c'est pas forcément le perso que je trouve le plus cheaté du jeu, mais c'est un bon perso. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous a intéressé. C'était une game diamant, en l'occurrence avec Nocturne Jungle. Nocturne, j'aime beaucoup Nocturne, c'est très puissant, je joue pas très bien, mais c'est vraiment un personnage très 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 puissant. Je trouve qu'il est très bien dans cette metagame, il est très fort en late game, c'est un très bon engage, je trouve que c'est un bon contre à Shaco, parce que quand Shaco jump in, eh bien il n'a plus rien pour se barrer, donc quand il jump in, bah, je lui mettais l'ulti à chaque fois, pour en gros, bah, il saute dedans, et je l'ulti direct, comme ça, bah, si je l'engage assez vite, il n'a pas le temps de pouvoir dash out, et donc du coup, bah, il meurt, et c'est pour ça que j'ai pris Nocturne. Dans cette game, enfin contre Shaco, je trouve que c'est pas mal. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à me dire un petit peu vos commentaires et mettre un maximum de pouces verts sur cette vidéo. Et on se retrouve pour ma part dans quelques instants. Alors je cut cette vidéo, en tout cas j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas voilà, à me dire ce que vous en pensez. Et vous avez aussi fond Facebook et Twitter, hein, comme d'habitude, me rejoindre sur Skyheart tout simplement si vous voulez aussi participer aux games, etc. Ça peut être sympa.